Salut Starkiller, comment ça va? Salut Ombrose. Bienvenue à tous. On va commencer dans pas longtemps. Hein. Ah, ouais, bah oui, j'ai vu qu'il y avait le SSC ce soir, je suis un peu deg. C'est pas grave. Hein. J'avais regardé avec leur DVD et Everyone's la chaîne pour que les défis se juxtaposent pas. Mais bizarrement, enfin malheureusement, le SSC se fait ce soir aussi. Donc bah tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Salut Vidra! Ah, Vidra qui passe, qui vient faire un coucou quand même, il a le temps, c'est cool. Vidra qui participe au SSC. Ça donne quoi tes matchs, Vidra? On sait même plus où donner de la tête, ça rend dingue. Ouais. Ah oui, t'as un gros setup, toi, 4 écrans, c'est stylé. Je suis en loser, là, je suis sorti contre l'Ultra Grandmaster Cody. Le Hadouluki là? Hadouluki? Ah ouais, merde, il est chaud lui. Hein. Il a sorti tout à l'heure un Ryu là, je sais plus comment il s'appelle. Je tombe souvent sur lui là, Jérémy Ray. Je tombe souvent sur lui en ranked. T'es en loser, t'as encore tes chances donc ça va quoi. Tu vas pouvoir tout suivre en gros, c'est cool. Un truc sympa que je devrais faire. On va mettre le chat. Ah bah non, mais donne-toi au maximum. Moi j'ai envie de te voir gagner aussi, hein. J'ai envie de vous voir gagner, j'ai envie de vous voir dans les premiers de cette ligue là ce soir, ça serait cool. Vous êtes très bon. Hein. Il y a du bon niveau, il y a quand même Beslem, il y a quand même Ozeden, je sais plus qui j'ai vu d'autre, il y a Will Tupac. Il y a quand même du beau monde, hein, donc. Je sais pas si Crimson, j'ai pas vu Crimson dans les joueurs connectés, les joueurs qui participent. Ah bah non, bah Crimson il fait partie des joueurs déjà choisis pour la ligue A. Vous, c'est la Ligue B, d'accord, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, Vidra, exactement. Bon. Alors ça, c'est l'affiche hein, qu'on a fait. Avec l'ami Danou. Alors ce soir, donc, c'est le FTFFC numéro 11. Donc, qui verra s'affronter ZTech. Alors le son du jeu peut-être un peu fort. Tac, un petit instant. Voilà. Donc le FTFFC 11 qui va voir s'affronter FFC ZTech, donc joueur de 7, contre Scott Shelby, joueur d'Alex. Ah, j'ai pas mis le nom Scott Shelby, zut. Ah là là, quel con. Bon, c'est pas grave. On corrigera ça pour la VOD. Et donc du coup, ça sera en FT10, comme d'habitude. Hein, vous avez l'habitude maintenant avec les FTFFC. Donc c'est le format. Et ce soir, le gagnant remportera une clé pour Guilty Gear Xrd Rêve 1 plus 2 plus Rêve 2 plus les DLC. Et un viewer sera tiré au sort également pour remporter un jeu. Donc je vous dirai quand est-ce qu'il faudra entrer le mot magique pour participer. Donc il est quelle heure? Il est 21h02, bah on va les inviter. Alors... Tac. Salut Oxo, comment ça va? Salut Ninsa. Alors, on va se mettre sur le scoreboard. Salut Slicer. Donc, avant de commencer, on va lancer le giveaway. Et je vous rappelle que bah, le giveaway, vous pouvez participer tout le long. Vous pouvez entrer point d'exclamation enter giveaway pour participer. Pas tout de suite, hein, je vais vous le dire quand. Et j'arrêterai le giveaway à la fin du stream, à la fin du FT, pour désigner le participant. Donc, alors, on va lancer. Voilà, vous pouvez taper point d'exclamation enter giveaway.
Salut Tinky Winky. Bienvenue sur le stream. Ah, il a ramené ses potos, Z-Tech. Alors, donc je le répète, hein, il y a un giveaway ce soir pour gagner Guilty Gear Rêve 1 et Rêve 2. Donc vous tapez point d'exclamation, enter giveaway. Et vous serez peut-être tiré au sort ce soir pour gagner le jeu. Allez, Vidra, frame 1 qui s'inscrit. On va passer notre tour. Ah, Slicer qui est pour Scott Shelby, c'est gentil. C'est give away. Je vous l'écris le mot. Il y a un A, t'as oublié un A en fait. Allez, bah écoutez, c'est parti. Vous pouvez lancer. Alors, je sais pas si vous êtes sur le chat, Z-Tech et Scotch et lui. Ouais, c'est bon, bah voilà, ils ont entendu, ils ont compris. Allez, c'est parti. Donc, Z-Tech est en première position, il jouera 7. Et Scotch et lui. J'ai mis un S. Alors attendez, faut que je corrige. Scott Shelby. Ah, et pour l'instant, Streamlab qui s'est inscrit. J'hallucine. Bon, c'est pas grave, je le supprimerai. N'hésitez pas à regarder les anciennes VOD. Hein, va suivre la chaîne YouTube pour suivre les anciens combats qu'on a fait, les anciens défis. C'était marrant, c'était vraiment sympa, donc je vous invite à les regarder et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Allez, c'est parti. 7. Z-Tech qui choisit la couleur bleue, la nouvelle couleur bleue, et Alex avec la couleur aussi sympa. Salut la vie dure. Allez, ça commence. Allez, ils ont tous les deux la nouvelle couleur du CPT 2021 là. Allez, ça commence avec un anti-air qui est placé. Sur un arrière HK tourbillon, c'est revenu en neutral. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on m'entend, ouais, c'est cool. Attention, le dragon, le tourbillon qui est passé dans la garde. Allez, encore une fois, l'anti-air. IX 1000 points. Alex qui est dans le corner, Scott Shelby qui est dans le corner. Attention, c'est cancel. La dive kick, c'est puni. L'activation V-Trigger, encore une fois, l'anti-air. Le stun qui est proche, c'est joli. Z-Tech qui prend le premier round. Attention, la dive kick qui est punie. Z-Tech qui recule mais qui avance en même temps. Attention, l'IX Hyper Bomb. Ah là 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 là, le elbow, cancel, stomp. Allez, l'activation V-Trigger, qu'est-ce qu'il va faire? 1000 points, il passe derrière. Ça n'a pas suffi. Allez, la dive kick qui est passée, qui a touché et qui est linké avec la suite du combo. La déchoppe qui est trouvée, l'activation V-Trigger du côté de Scott Shelby. Allez, c'est revenu en neutral. Allez, le elbow qui est passé dans la garde, les 1000 points V-Trigger également. Attention, c'est puni. Allez, il a trouvé l'ouverture de garde. 1000 points, dragon. Le Mad Cradle, hein, le coup pris de chez Dimitri de Darkstalker. Donc on sait pas, hein, ça se trouve ça sera le cinquième perso, Dimitri. Hein. Après tout, Rose a le costume alternatif. Le costume d'un perso qui était à côté de Dimitri dans Darkstalker, si vous avez vu. Salut Groovebox, comment ça va? Allez, premier match pris par notre ami, notre FFC Z-Tech. C'est bien joué. Dave kick dans la garde.
Allez, Alex qui se retrouve dans le corner. Scott Shelby qui se retrouve dans le corner, qui se prend le tourbillon. Attention, le counter hit. Allez, encore une fois, il cherche les frame traps. Scott Shelby qui est proche du stun. Allez, le stand HK, activation des triggers, le Kochida qui est pas passé. Allez, le V-skill, on charge le V-skill. Elbow, cancel, stomp. Allez, c'est joli ça. C'est joli, c'est bien joué. Ah, des micro-lags, on n'a pas fait de lag test. Zut, j'ai complètement oublié de faire un lag test. Allez, c'est pas grave, l'activation V-trigger, c'est parti. Le combo. Allez, il est dans le corner. Là, c'est maintenant le moment de le presser, de trouver une ouverture de garde. C'est bien joué. Allez, les deux adversaires se cherchent. Ravi 7, c'est quand même un bon perso. Allez, le combo tout super. Ça rigole pas. Allez, boum. La barre de vie, moitié de barre de vie qui reste maintenant. Avec, en comptant l'ouverture de gars, l'ouverture de tout à l'heure. Le V-shift, pardon. L'activation des triggers, le stomp. Seth qui est dans le corner, Zetek qui est dans le corner. Allez, attention, là c'est le moment de... Voilà, bien joué. Allez, tac, Mad Cradle. Allez, c'est trouvé. Et la chop, encore un coup, et c'est la mort. Bien joué. C'est bien joué. Ah, je sais pas, peut-être que le match-up, il arrive pas, je sais pas, Ambrose. En même temps, Scott Shelby il dose tellement tout le monde que ça m'étonne qu'il ait du mal. Mais en même temps, c'est Zetek en face, donc je sais pas, il connaît peut-être pas le joueur. Kensama, salut, comment ça va? La vie dure, salut. C'est en combien? C'est en FT10. Allez, ouais, encouragez le joueur que vous souhaitez. Donc ceux qui arrivent, hein, tapez point d'exclamation, enter giveaway. Il y a un jeu Guilty Gear à gagner. Le dernier sorti avant le Strive, offert par notre partenaire Uxorado, hein, le partenaire des FFC. Allez, pour l'instant vous êtes 1, 2, 3, 4 à être inscrits au giveaway. N'hésitez pas, je vous ferai un résumé tout à l'heure. Allez, attention, Scott Shelby qui est encore mené à la vie. Zetek qui prend son temps, qui recule, qui avance. Attention à le BAMK, V-Trigger, Send HP. Allez, l'activation V-Trigger sur le BHK. Allez, c'est bon, V-Trigger, 1000 points, V-Trigger. Ça va, Kensama, ça va, merci. Attention, le Mad Cradle qui whiff, c'est pas bon ça. Dommage, ça a été puni par le coup d'épaule. Allez, bien joué. Là, il a trouvé le combo. Il a voulu chimie, c'est pas passé. Scott Shelby s'est pas laissé faire. L'IX 1000 points, ça met dans le corner. Le corner carry est vachement important. Allez, la dive kick, attention. On abuse des dive kick. Ah, l'IX dive kick est passé. Le stun qui est proche, c'est bien joué. Le stun est là. Là, c'est le moment de faire un gros combo. 1000 points. IX Mad Cradle. Et la chop. Troisième match pour Zetek. Alors tous les deux sont super diamants si je me souviens bien. On va regarder ça, mais j'ai fait en sorte que ça soit qu'il n'y ait pas un gros écart de ki comme dans Dragon Ball, d'énergie. Salut Illusion. Kensama, tu peux participer aussi au giveaway si tu veux. Peut-être que t'en as un peu rien à faire d'un jeu de combat à gagner. Zetek de Toulouse, oui, Zetek de Toulouse, oui. Ça va que dans un sens, ouais. Comment Scott Shelby a du mal un peu, j'ai l'impression. Mais il va peut-être se rattraper. Faut se réveiller maintenant, exactement. Salut Kenzo, bienvenue sur le stream. Voilà, point d'exclamation Enter Giveaway pour vous inscrire. Et pour Zetek, allez, allez. Bon, je mets pas le chat sur le stream pendant le match, histoire de pas vous gêner. Allez, attention, le counter hit qui est trouvé. Allez, Zetek là, qui est un peu mené à la vie, mais ça se vaut. Ah, on whiff des coups. Histoire de whiff punish un coup.
Pour l'instant, ça se cherche, le temps tourne, mais c'est pas grave. Chacun cherche l'ouverture de garde. Ça se rapproche doucement du côté des attaques. Allez, et c'est lui qui lance les hostilités. Attention. Allez, l'activation avec trigger. Ah, ça, il s'est raté. Je crois qu'il a raté un coup là. Yex, 1000 points. Ça me met dans le corner. Tu fais pas le giveaway, Kensama, bien sûr. Bah, pas de soucis, pas de problème. Attention, l'IX Hyper Bomb qui a whiffé. Allez, le combo, le full combo. La D-Shop, elle est trouvée. Dive kick, tourbillon. Ah là là, ça fait toucher V-Shift. BAMK, BHK. Allez, c'est bien joué, le BALK sur un dash avant. Il restait 15 secondes. Pas mal, hein. Ça, ils ont fait tout le match, hein. Ils ont fait tout le timer. Hein. Allez, l'IX tombe. Allez, c'est trouvé. Saut LK. Allez, c'est le tourbillon qui est trouvé en counter hit. Allez, Z-Tech. Et allez, Scott Shelby. Les matchs sont disputés. Hein. C'est. Tu disais que c'était dans un sens, mais quand même, Scott Shelby se laisse pas faire non plus. Hein. Et là, regarde la barre de vie de Z-Tech. Elle a bien fondu. Mais il peut le faire. Là sur une ouverture de garde, il a full V-Trigger, full super. Attention, les sauts c'est dangereux. Allez, bien joué, il a trouvé. Allez, le cross-up. Le V-Reversal pour pas se laisser faire. Ah là là, le elbow qui a puni le coup de 7. Allez, le dash arrière, dash avant, hyper bomb. Ah là là, le crush counter qui est trouvé. Allez, attaque, faut pas te laisser faire là. Il a loupé le stun. Ah là, le stun est trouvé quand même. Ça va être le premier match pour Scott Shelby. Bien joué. Alex win. Spammez vos emotes préférés, les Genkidama, tous les trucs, Tortue Ninja, je sais pas, tout ce que vous aimez. En l'honneur du courage de celui que vous appréciez le plus. Allez, Z-Tech qui mène la danse. Deuxième shop. Est-ce qu'il va tenter une troisième shop? Il a tenté une troisième shop, mais il a trouvé la D-Shop. Le BAMP, counter hit, sur activation V-Trigger. La shop V-Trigger. Le V-Reversal pour s'échapper. Attention, le LIEX, elbow, plus V-Trigger. Attention, le V-Shift break, c'est bien joué. La dive kick est punie. Allez, il y a de la barre grise là à se faire. Allez, Z-Tech. Scott Shelby qui revient. V-Shift. Attention, c'est dangereux de sauter comme ça. Ah là là, il a... Il s'est pris le BALP elbow. Allez, ah c'est puni ça, c'est bien joué. Voilà. Balayette, puni par une balayette. Ou le BHK. Le BHK il fait pas balayette de. Je crois que c'est le BHP qui fait balayette de 7. Je sais plus. Allez 7. Z-Tech, j'ai l'impression qu'il ne trouve plus la façon de. Pour laquelle. Avec laquelle il faut ouvrir. Allez, c'est bon, il a trouvé. Il a trouvé. L'activation V-Trigger sur le BHK. 1000 points. 7 qui est dans. Alex qui est dans le corner. La shop qui est trouvée. Deuxième shop qui est trouvée. Là ça va être le. Ah, attention. Ah là 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 là. Ça va faire mal. C'est pas fini. C'est pas fini. Allez, bien joué. Voilà. C'est bien joué. Ouais, c'est le crouch HP pour cette la balayette. Merci. C'est bien ce qu'il me semblait. Allez, c'est bien joué ça. Allez, Alex Z-Tech qui cherche les ouvertures de garde sur des lights. Qui en trouve quelques-unes, mais qui se fait sèchement punir.
Attention, il s'est fait aussi punir par l'IX Dragon d'Alex. Allez, le elbow qui passe dans la garde. Attention, l'activation va trigger. Ça, ça fait mal. Est-ce qu'il va le refaire? Non, attention, ils se sont foncés dessus l'un sur l'autre. Mais Zetek aura raison. Là, c'est le moment de faire quasiment... Ah, il a pas voulu faire la super, soit il y avait trop de dommages réduits, certainement. Là, c'est le moment de... Allez, c'est... Ah, dommage, il a loupé une ouverture, là. La double touche. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Allez, Zetek a besoin de tout votre soutien parce qu'il se fait rattraper au score par Scott Shelby. Et Scott Shelby a besoin de tout votre soutien pour qu'il puisse gagner ce FT aussi. Moi, je suis pour le FFC, mais je suis quand même pour le meilleur. Donc, celui qui gagnera, gagnera. Et c'est comme ça. C'est le but du FT FFC, c'est de montrer dans la bonne ambiance des matchs sympas. Et puis voilà quoi. Y a pas de stress. Ouais, ouais, il dive kick beaucoup, hein, c'est chaud. Hein. Faut qu'il fasse gaffe. Allez, Zou. L'entière. Allez, l'activation va trigger. Ah, voilà, il veut toujours faire des dive kicks. Et voilà, le EX Mad Cradle à la relevée. La chope. Il est dans le corner, deuxième chope, mais c'est déchopé. Alors, attention, là, il peut lui faire un gris-gris. Une zoulouterie. Il peut revenir au score. Il a quand même levé trigger. Non, ah bah non, ça sera le BHK. Bien joué, Zetek. Premier round. Alors, l'IX Elbow. Alors là, c'est passé complètement. Ah, le crush counter. Ah là là, il est proche du stun. Et il se chope le power bomb. Il charge le V-skill. Saut HP. HP, Elbow. Deuxième elbow. Ah là là, et c'est le perfect. C'est bien joué. Exactement, celui qui sera, qui aura perdu sera celui qui sera vaincu. C'est la logique, dans toute sa plus belle des formes. Zetek qui saute beaucoup, faut qu'il fasse gaffe. Allez, il trouve la chope quand même. Allez, un petit chimie, Baimka, IX tourbillon. Allez, l'IX Elbow qui absorbe un coup. V-Shift. L'IX Elbow encore une fois qui absorbe un coup. Allez, voilà, il a trouvé l'ouverture de garde. Là, il faut faire le mac. Voilà. Faut faire le combo tout super. Faut lui claquer la barre de vie. Ça va pas tuer, je pense pas. Mais là, il est à. Ah, voilà, il s'est pris un coup. Charge le V-Skill, allez c'est bien joué là, dash, double dash avant, Baelka. Taper sur un lot, c'est bien joué. Ah, 7, 7 il a combien de vie? Il est comme Guki, Kage, Kami. Il a 900, 950. La vie font très vite, ouais, ouais, ouais. Exact, Tiki Winky. 925, ah oui, d'accord. Elle est tellement belle, cette en plus, oui. Ah là là, là, il est proche du stun. L'overhead, dans le corner. SOHK, HP, elbow, elbow, coup d'épaule, dragon, et Baelka, proche du perfect. Scott Shelby qui se rattrape bien, hein. Il se laisse pas faire. C'est le beau jeu. Ouais, il y a 4-2, ouais. Attention, les 1000 points. Je crois pas que ça soit très safe dans la garde, ça. Mais il était à bonne distance, donc il s'est pas fait punir. Mais il a quand même mangé une punition après. Allez, les deux barres de vie se valent, là. Alex, qui se prend un entière. Ah là, ça a whiffé, ça a raté, attention, le cross-up. Attention, les 1000 points qui whiff. Allez, l'activation avec trigger, qu'est-ce qu'il va nous faire? L'activation avec trigger de l'autre côté aussi. Allez, c'est bien, c'est trouvé. Là, le multi-combo, multi-hit.
Il n'y aura pas la place pour foutre le dragon. Allez, Yaxel, Bouv et Trigger, attention. Et voilà. Ah là 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 là. C'est beau, hein. Personne se laisse faire. Scott Shelby qui revient dans la. Qui revient dans le match. 4-3. 3 pour Scott Shelby, 4 pour ZTech. Alors que Ombrose nous dit que 7, il a que 900 de vie. Bah écoutez, je vais vérifier de suite. Allez, on est. Ah, qu'est-ce qui se passe? Gros lag. Ouais, il a 900 de vie, ouais. Et 900 de stun. Allez, la déchappe est trouvée. Va falloir jouer avec le lag, malheureusement. C'est dommage. Je pensais que ça irait tous les deux. On n'a pas fait de lag test. À chaque fois, je dis que j'en fais un et j'en fais pas. Hein. Je suis vraiment... c'est dommage. Allez, le BMP qui est trouvé en counter hit, mais qui est pas converti. Ce HK dans la garde. Allez, l'activation V-Trigger, c'est parti. La déchappe qui est trouvée. Le BMP qui est trouvé du côté d'Alex. Alex qui est dans le corner, 7 qui se rattrape, qui se rapproche, mais ah, il se laisse pas faire. Ah là 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 là. A la fin du match, je vais aller parler à ZTech pour lui demander si ça lag ou pas. Enfin, apparemment ça lag. Allez, ZTech, faut que tu reviennes dans la danse. Voilà, ça c'est bon, c'est les combos. Ouya. Allez, Holokana, une petite chop. Le chimique qui a presque réussi. Allez, bien joué le tourbillon. Le stun est proche. Ah là 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 là. Il s'est pris le coup. Activation des triggers, allez. On passe derrière, non, on passe pas derrière. Peut-être pas. Ah, dommage. Allez, faut pas laisser Alex s'approcher. Là, une chop. Allez, c'est bien joué. ZTech qui se laisse pas faire. Faut respecter la Alex Nation. Allez, je crois que c'est même le dojo de Gunfight, non? Ah, je crois que ZTech est en galère. Salut Estranoï. Ah bon, il y est plus dans le dojo là, Gunfight. Allez, voilà, c'est bon, les combos. Allez, le V-Shift, V-Shift Break. Stun LK dans la garde. Allez, EXL Bou, V-Trigger. BAMK, V-Trigger. Et l'EX Hyper Bomb. C'est dommage. Égalité pour les deux joueurs. Je vais aller faire un tour du côté de chez ZTech pour lui demander. ZTech? Ouais, allô. Ça lag? Ouais, ça lag un peu, ouais. Comment on fait? Je sais pas, on continue, en vrai ça reste jouable, mais ça lag un peu. Ça roule. Bon bah, je te laisse faire alors. Bonne chance. Merci. Alors, bon bah, ZTech va continuer. 4-4. Je vais mettre là. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu a planté. C'est pas grave, de toute façon les scores sont marqués. Il y a 4-4. ZTech qui va revenir dans la salle. Il va peut-être relancer sa box, je sais pas, il va voir. Scott Shelby qui joue sur PS4. Bah, de toute façon, Scott Shelby, j'ai jamais eu de soucis avec lui non plus. Et j'ai jamais eu de soucis avec ZTech, donc on verra. ZTech, c'est le moment de montrer que je dois changer de dojo et changer ma Karine. Zbel Hassan,
Faut qu'il fixe son net. Ah bah y a, ouais, bah y a un petit souci de connexion, je sais pas. On aurait dû faire un. On aurait dû faire Excuse-moi, un j'ai eu lag un text. crash. T'as eu un crash, c'est pas grave. Ouais, j'ai eu un crash, désolé. C'est pas grave, vas-y, vas-y. Je te réinvite. Bon bah là c'était pas la connexion, c'est juste son jeu qui a crashé. Il arrive, hein. Allez, c'est parti. Alors, on fait un petit tour du côté des giveaways. Alors voilà, je vous laisse regarder, hein. Il n'y a pas de triche, tout est réglé comme une horloge. Mon maître Ombrose, Kenzo, Illusion, La Vie Dure, Star Killer, Tinky Winky et Vidra. Si vous ne voyez pas votre pseudo, alors tapez un point d'exclamation Enter Giveaway et vous serez inscrit pour le giveaway. Allez, on repart vers le score. Et donc, je mettrai fin au giveaway à la fin du FT10, hein. Allez, on est reparti. On va side switch les scores. En espérant que ZTech nous revienne plus fort. Les soucis de connexion pendant un match, c'est toujours chiant. Toujours galère. Mais on n'y peut rien, ça arrive, hein. Des fois, c'est les connexions des joueurs. Des fois, c'est les serveurs du jeu. Allez, le cross-up qui est trouvé, non, qui est pas converti en combo, c'est dommage. Le BMP qui est trouvé en counter-hit. Allez, le crush counter sur le stand HK. Allez, les combos, ça fait mal. Allez, le crush counter qui est trouvé. Combo, V-trigger. Allez, boum. La déchoppe qui est trouvée. BMP, activation V-trigger. Le stomp qui est raté. C'était peut-être pour sortir du coin. Ah, le chimie qui était trouvé, c'est dommage. Allez, bien joué, le tourbillon qui est passé, la chop. Ah, le combo. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Allez, on revient dans le neutral. Zeta qui essaie de s'approcher, mais qui est zoné par l'Alex. Mais pour l'instant, il presse, il arrive à presser. Allez, le BMK qui est passé en counter hit, qui a fait combo avec le tourbillon, le tourbillol. Allez, le saut arrière HK. Allez, c'est puni, le V-skill, c'est bien joué. Allez, le counter hit qui est également trouvé. Le combo, Mad Cradle. Alex qui est dans le corner, Stand LK. V-reversal, des deux côtés. Allez, c'est le combo, le stun. Et ça tue, voilà. Bien joué. Un round partout. Allez, la dive kick, mais c'est puni à la hauteur là, c'est punissable, je pense. En tout cas, c'est ce qu'il a réussi à faire, c'est ce que Scott Shelby a réussi à faire. Allez, ça se cherche au BMP. L'arrière HK, le tourbillol. Allez, le cross-up, c'est trouvé. Ah, il a pas converti ça en combo. Allez, EX Elbow, qui absorbe un coup. Le stomp. Allez, EX Hyperbomb. Attention, quand tu vois un dash. Un Alex dashé vers toi avec une barre de DX, c'est qui veut te choper. C'est la phase. Malheureusement, ZTech. Enfin, bien heureusement pour Scott Shelby. Celui-ci prend un match face à ZTech. Son cinquième match.
Allez, ceux qui sont derrière Zetech, encouragez-le. Ceux qui sont derrière Scott Shelby, encouragez-le. Ah, évidemment, j'aimerais bien voir un FFC gagner, mais c'est que le meilleur gagne, c'est la règle. Allez, le dash avant qui est puni par un stand LP. Allez, le stand HP. Encore un stand HP à la relever. Allez, la shop qui est trouvée. Alex qui est dans le corner. Allez, le BMP, c'est bien joué ça. Salut Thunder Killam. Allez, le combo, bien joué. Ça c'est joli. Ah là là, ça surprend toujours. Allez, l'activation avec trigger, le stomp. Ah là 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 là, attention. Scott Shelby qui mène à la vie pour l'instant. Allez, c'est bien joué ça. Bravo. Bien joué Zetech. Attention, pas sauter gratuitement comme ça. Les shift, l'arrière HK, tourbilol, tourbillon. Yaxel Bosque, que si c'est pas passé, c'est puni. C'est bien joué. Allez. Pour l'instant, les V-triggers sont pas encore full chargés. Yaxel Bo qui whiff. Mais c'est pas puni. Zetech qui est dans le corner. Allez, l'Alex Scott Shelby qui trouve le BMK, le elbow, le tourbilol. Allez, l'arrière HK tourbilol, mais ça n'a pas comboté, dommage. V-shift break carrément. Allez, hop. Allez, là c'est bon, ça va combo, tout super. Ça va pas tuer, je pense pas. Ah, si, peut-être. Allez, ça tue. La gonflette, ouais. Un petit 5-5. C'est disputé hein. Allez, il y a égalité. Allez, c'est puni, un whiff punish là sur le stand HK ou l'arrière HK, je sais pas. Attention, pas en abuser. Je sais pas combien c'est en garde, mais je regarderai après. Allez, Alex qui est dans le corner. Ouais, le stand HK qui a moins 4 en garde, ouais. Salut Guardian of Light. Tu peux participer au giveaway, hein. On fait gagner, grâce à notre partenaire Oxdorado, partenaire de la team FFC, on fait gagner Guilty Gear Xrd Rêve 2, Rêve 1 et Rêve 2, plus les DLC. Attention, le dash avant. Oh là là, ça fait mal tout ça. La moitié de la barre a fondu. V-shift en reversal. Allez, c'est trouvé. C'est bien joué ça, le coup de pied. L'arrière HK encore une fois, le tourbilol. Le V-shift break, ça passe dans la garde. Allez Zetech, tu peux revenir. T'as un round pour toi. Point d'exclamation Enter Giveaway si vous voulez gagner un jeu. On révélera le gagnant à la fin du FT. I'm ready. Cherche son V-skill. Attention, les sauts, faut faire gaffe aux sauts. Ça peut être puni sèchement par Alex. Ah, il a tenté un combo, je sais pas si c'est un nouveau combo ça. Allez, attention, l'activation avec trigger, le saut vertical, la chop. Là il peut tuer. Faut temporiser. Ah, allez, c'est bien joué. Il a provoqué Scott Shelby pour qu'il tape après après le arrière HP de. Le stand HP de 7. Stand HP ou arrière HP. Enfin le coup de poing qui va vers l'avant là. Et du coup, il a mis un petit EX Mad Cradle. Et c'est passé crème.
Bien joué. Ah oui, faut abuser des entières là parce que Zetek il saute beaucoup. Mais on verra bien. Attention, ils se sont foncés dedans les deux, mais c'est Zetek qui a eu raison la première. En premier. Allez, le bas MP qui est trouvé en counter hit sur un whiff finish. Allez, le crush counter, bas HP. Triple dash avant. Bas MP, bas MP. Target combo. La chop avant, ça met dans le corner. Allez, c'est trouvé le tourbillon encore une fois. La déchop. EX. Allez, ah là 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 là. Là, ça va faire mal. V-shift. Ah, ça punit le V-shift. C'est bien joué. Allez, c'est bien joué ça. Il y a eu la double touche. Et Lokizem était en faveur de Zetek. Malheureusement, Alex qui revient. Enfin, Scott Shelby. Allez, c'est bon là. Tac. Boum. Temporisé. Attention. Ah là 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 là. Ou bien, bien évité. Scott qui n'a plus de barre d'ex. Mais Zetek qui est mené à la vie. Ouais, là il l'entière un peu plus, ouais. Attention. Le temps s'écoule. Chacun cherche comment ouvrir la garde de l'autre. Là c'était peut-être l'occasion. Ah là 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 là. La déchop. Ah, le saut LP arrière. Saut arrière LP. Ah, c'est bien joué. Oh là 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 là. Je vais aller voir mon cardiologue parce que là mon cœur bat comme je ne sais pas quoi. Allez. Ouais, c'est tendu, c'est tendu. Allez, l'IX Elbow qui passe dans la garde, c'est fini. Allez, l'IX 1000 points. Zetek qui mène un round à 0. Il y a deux victoires, hein. Je crois que j'en ai oublié une là, non? Il y a 6-5, non? Je cherche des vues en mourant en direct, ouais, j'avoue, ouais. Bah, si je meurs en direct, ça fera des vues, mais bon, je pourrais pas en profiter, quoi. Quelqu'un peut me rappeler le score là? Je crois que j'ai oublié un point pour Zetek, non? Allez, l'IX tombe qui est trouvé. Reversal. De toute façon, on va le voir à la fin du match. Bien joué. Là, il a deux victoires. Donc, comme on a repris le FT10. Donc là, ça fait trois victoires. Donc, Zetek. Attendez voir. Ouais, il a trois victoires. Trois. Je crois que je me trompe pas. Hein. Là, j'ai besoin de votre expertise, votre œil d'expert, les amis. Il y a bien 7-5, c'est ça. Hein. Parce que à la fin du premier FT5, il était mené 5-4, je crois. Non, 5-5. Ah, je sais plus. Ouais, il y a 7-5, ouais. Allez, l'IX Mad Cradle. C'est disputé, mais Zetek qui mène son qui gagne. Allez. Ah ouais, ok. Je crois qu'ils avaient repris à 5-4. Hein. Ou 4-4, je sais plus. Ah là là là. J'ai pas fait gaffe. Comme on a changé de. Comme on est revenu dans la room à cause de du problème de connexion. Et du jeu qui a crashé. Bah du coup, je sais plus. De toute façon, les joueurs, je pense qu'ils suivent un minimum. Ils me le diront aussi. Ça fait mal. L'activation V-trigger. Ah là 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 là.
L'overhead. T'as regardé la rediff? Donc on est à 7-5 alors. Merci les gars. C'est cool de savoir qu'on peut compter sur tout le monde. Merci Starkiller. Attention, le Kochida, ça a failli passer. Mais c'est bien évité par un saut arrière. Alors voilà, Zeta qui est mené à la vie, V-Shift. Voilà, faut pas se rater sur les cross-up quand ils passent. Allez, bien joué, le bas MP. IX 1000 points. Lash up. C'est bien joué. C'est bien Tommy. Le V-Reversal. Double V-Reversal, attention. Attention, il a plus besoin. Il peut activer le V-Trigger. Il va l'activer peut-être sûrement. Il l'active maintenant. L'IX tombe, ça rate. Ah là 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 là. Et ça, ça te fout la barre de vie en l'air. Et bien 7-6. Oui, ça tue hein, les IX Shop Spé, ça fait bien mal hein. Ouais ouais, il était pas loin là, dommage hein. Il aurait pu gagner. Allez, attention, le Mad Cradle qui est whiff, mais c'est pas puni. Heureusement. Ça aurait pu être sale. Allez, le Crush Counter qui est trouvé, le combo. Ça met au coin. Putain, le corner carry est monstrueux. Allez, BHK. Pas MP. Pour l'instant, les deux adversaires se cherchent. Attention, pas abuser des bonnes choses. Mais peut-être que ça va marcher. Attention, il a trouvé le crush counter, l'IX Dragon, ah là là, oui, il pif, il est proche du stun, ça va être un lot, non, l'activation va trigger, allez, la barre de stun descend, c'est cool, ah là 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 là. Ouais, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas encore participé au giveaway, point d'exclamation Enter Giveaway à ceux qui arrivent. Il y a Guilty Gear Xrd Rev 1 et plus le 2, plus le tous les DLC offerts par notre partenaire Oxorado, le partenaire de la team FFC. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour retrouver les anciens FT. Allez, Zetek qui se fait bien mener à la ville, hein, qui se retrouve au corner. Ah là 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 là, ça va être la mort. Et merci pour le follow, Guardian of Light. Bienvenue sur le stream, bienvenue chez nous. Dans la team FFC Family, sur le stream de Kanpai. Et vous retrouverez des défis, des tournois. Là, là c'est un défi, le prochain truc qu'on fait, que je vais faire, ça sera peut-être un tournoi. Le quatrième. Donc si vous avez loupé nos anciens défis, nos anciens tournois, bah suivez la chaîne YouTube. Là vous avez de toute façon un rappel sur le chat. La chaîne YouTube, c'est pas compliqué, c'est FFC Kanpai. Allez, Scotch Elby qui est mené à la vie, mais qui trouve quand même la Shop Spé, le Power Bomb. Allez, Zetek qui essaye de s'approcher. Qui essaye de whiff punish. Ah, le combo en elbow qui est trouvé. Bah, MP. C'est, ce coup-ci, c'est Zetek qui se retrouve dans le coin. Un saut cross-up qui est passé devant. Un saut LK qui est passé devant. Et qui a eu la chop. Et qui est... Ouais, enfin bref, vous avez compris. Il a trouvé la chop. Allez, là, ça fait mal. Stand HP à la relever, évidemment. Activation avec trigger. Scotch Shelby qui s'éloigne. Ah là 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 là, c'est bien joué. Égalité pour l'instant. Avec un round pour Scotch Shelby. Ouais, la spéciale. Allez, c'est bien joué. Alors maintenant, il s'est raté, je crois. La chop. La chop. Attention. L'activation va trigger sur le BMK. Sur le BHK, pardon. Elbow. Allez, ça surprend toujours. Faut vraiment qu'il fasse gaffe à ça. Le V-Shift Break.
Ça gratte de la barre, on en profite, le combo passe, c'est nickel, corner carry. Elbow, very versal pour éviter le pressing. Ah, il faut qu'il réagisse la Z-Tech. Bien joué, c'est... à chaque fois il a gardé les EX tombes, c'est bien joué ça. Et bye pied. Tourbilol, encore un tourbilol. Et non, Hyper Bomb, ça fait mal. Aïe 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 aïe. Ouais, le BAMK qui est 8 punish par le Sten LP. Scott Shelby qui prend son 8ème match. Alors, je vérifie qu'on voit tout bien sur le screen. Ouais, sur le truc, sur le stream. Allez, c'est pas fini. Z-Tech peut revenir. Il y a un match de faire égalité. Allez, le corner carry encore une fois. La shop qui est trouvée. Le stand HP ou l'arrière HP, je sais pas. Le moulator qui pour s'échapper, je pense. Allez, l'activation Metrigger qui est trouvée sur un combo. Mais Z-Tech il se laisse pas faire. Qui fait un combo également. Baelka, le tic trop. Allez, ah, c'est pas converti en combo, dommage. Allez, il est pas encore mené à la vie. Il peut encore se rattraper. Allez, Axel Bo. Ah là là là, le very versal qui suffira pas. La shop du V-Trigger passe. Yaxomp qui est gardé. Allez, encouragez la tech, ouais. Ouzbel Hassan comme vous voulez. Attention, le saut vertical HK qui est trouvé. Aïe aïe aïe. Scott Shelby qui se laisse pas faire, hein. Qui veut gagner. Il veut gagner son jeu. Il veut gagner le FT. Allez, c'est évité. Z-Tech doit se rattraper là. J'ai foi en lui, je crois en mon FFC. Allez, c'est disputé. Ah, c'est Whiff Punish. Allez, le cross-up qui est trouvé, Matt Cradle. Le double dash avant. Et la chop arrière. Allez, le very versal pour pas se faire presser. Là maintenant faut trouver, ah, ça a whiffé, c'est bien joué. Il a pas de super, ouais c'est la barre de super d'Alex ça. Alex a son V-Trigger. Là maintenant Scott Shelby qui est mené à la vie, faut temporiser, faut temporiser. Attention, ah il a trouvé sur un BAMK la chope du V-Trigger. Ah Hyper Bomb, ça fait mal. Ah c'est bien joué. Ça tue pas. Ah, et là il veut tuer à la gratte. Oui, c'est bien joué. Eh bien, 8-8. Ah non, c'est pas encore 8-8. Je dis n'importe quoi. Allez, un round partout. Ah, c'est puni. C'est pas safe en garde. La chop avant, l'IX tombe, c'est toujours gardé, c'est bien joué. L'anti-air, Stenelka, le tic fro. Ah, le elbow X qui est chopé. Ah, il a voulu rechoper à mon avis, mais c'est pas passé. Allez. C'est évité. La double touche, putain, vous me faites peur. Et là, il y a bel et bien une égalité. 8-8. On est à deux matchs chacun de la victoire sur ce FT10. Sur FTFFC numéro 11. En partenariat avec Oxorado. Vous pouvez le suivre sur Twitter. Il organise des concours le lundi et le jeudi, je crois. Et il vous fait gagner un jeu sur une liste de 5 jeux. Donc vous avez juste à le suivre sur Twitter, à retweeter son concours. Et vous êtes bien. Et il vous met bien. Il y a des jeux sympas à gagner. Allez, la double shop, c'est bien joué. Le Sanashka. L'Ixomb qui est encore gardé, c'est bien joué. Il s'en est pas pris un seul, quoi. Allez, le BHK, c'est bien joué. L'arrière HP. Allez, le crush counter qui est trouvé, le combo. Hop.
La déchop. Le BMP dans la garde. Vashka, activation avec trigger, very versal, mais c'est chopé. Zetek qui se retrouve dans le corner, qui se prend un counter hit. Allez, c'est bien joué ça. Allez, c'est bien joué, c'est bien joué. Ça peut. Ah non, ça tue pas. Faut pas être pressé, faut pas être pressé. Faut temporiser. Tu mènes à la vie. Voilà, c'est bien joué. Le V-skill qui est whiff finish. Allez, un round. Il a un round de gagner son 9e match. Alors, EX Hyper Bomb. Allez, ceux qui sont pour sketcher le B, encouragez-le. Ne désespérez pas. Après tout, il y a égalité, il peut encore se rattraper. Allez, l'elbow dans la garde. BMK, tourbilol. Tourbillon. Allez, EV shift. Hard matchup. Ouais, c'est pas évident. Hein. Alex, hein, c'est pas évident. C'est devenu vraiment pas évident hein, quand même. Hein. Allez. Ah là là, Z-Tech qui se prend le crush counter. Et le combo qui va avec. Un round partout. 8 à 8. On est bien, on est dans les ambiances. Attention, ça c'est, je sais pas si c'est punissable, mais en tout cas ça a pas été puni. Ah, t'es aussi un joueur d'Alex, Guardian of Light? De 7, je veux dire. La lotière, ça. Ah là, tata, là, 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 ça fait mal, ça fait mal. Ah, t'es un joueur de Jill, d'accord, ouais. Allez, là, c'est le moment de se rattraper. L'activation avec trigger, mais il y a le very versal là-dedans. Allez, là, le combo qui va avec. Le combo qui va bien. Oh, c'est. Oh, c'est, ça a été annulé. Ah là là, il se prend le Mulatta. Le Mulattart. Eh bien, 9-8. Eh ben, ça sera disputé jusqu'au bout. Allez, je crois en Z-Tech. Mais Scott Shelby est bien parti pour gagner ce FT. Mais on peut y arriver. Il peut y arriver, Z-Tech. Allez, pour l'instant, des coups en garde. Allez, la shop. Mais c'est la déchop qui est trouvée. Allez, bien joué le cross-up. Ah, ça rate le combo. Sûrement à cause du lag, peut-être. Allez, le BMP. Combo, Mad Cradle. Elbow, c'est pas puni. Scott Shelby qui n'en demeure. Qui. Allez, le. L'IEX Mulattart. Ah, le saut vertical LP, c'est bien joué. Allez, le crush counter, c'est parti pour le combo. Corner carry au maximum. Il se relève pas tout de suite. C'est Delka. Oh, allez, c'est bien joué. Le chimie qui est trouvé. Là, c'est parti pour faire la souffrance. Allez, c'est le combo qui fait bien mal. Ça fait plaisir. Ah, bah, il s'est pris l'IEX Stomp. Allez, c'est encore un IEX Hyper Bomb. Ah, ça fait mal. Allez, c'est parti pour punir. Là, faut faire un max de dégâts. Le side switch. Bail P dans la garde. Allez, Z-Tech. Ah là là, le stomp. Allez, bien joué. Allez, c'est puni. Heureusement qu'il a pas raté la punition. Là, il rattrape un peu les dégâts qu'il faut faire. Faut lui faire. Il a trouvé le counter hit. Il a pas encore son V-trigger. Allez, c'est évité, le Mulattart. Attention, il peut lui dash avant. Ou bien joué. Ça, c'était tellement visible. Il voulait dash avant pour le choper. Et Z-Tech a réagi. Il a pas eu peur. Il a réagi et il a puni. Allez, égalité. C'est la balle de match pour chacun des deux adversaires. Pour Z-Tech d'un côté, pour Scott Shelby de l'autre. IEX Stomp, IEX Shop Space, c'est ça qu'on veut. Allez, on est parti pour le dernier match.
qui de ZTech ou de Scott Shelby va remporter ce FT10, ce FT-FFC numéro 11, FT-FFC. Allez, la chope qui est trouvée. Les premiers dégâts sont là. Et le BHK. Et il va MP en whiff. Attention, ça peut être whiff finish. Mais Scott Shelby réagit. Allez, le V-Shift, c'est bien joué. Attention. Pour l'instant, les barres de vie se valent. Allez, c'est puni. Allez, attaque, c'est la dernière ligne droite. C'est pas fini, mais ça peut... Ah là là, c'est... je parle trop. Il s'est pris. Ah là là, c'est proche du stun. Hein. Allez, c'est le stun. Le round est pour Scott Shelby. Allez, il lui reste 2 rounds. Il peut rattraper le coup. On y croit. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Allez, le combo qui est trouvé. Ça lag un peu. Je vois des freezes. Va falloir faire avec, malheureusement. Prochaine fois, j'oublierai pas de faire un lag test. Allez, c'est puni. Le dash avant, c'est check dash. Voilà, double touche. Le BHK en counter hit. Allez, l'activation avec trigger du côté de Scott Shelby. Le stomp, very versal, mat cradle. C'est bien joué. Allez, c'est bien joué, ça a whiffé. Ah, c'est le moment de lui prendre un round. Allez, ça lag, je vois que ça lag. Ah, c'est bien évité, il a trouvé comment éviter les cochonneries d'Alex. La déchop. Allez, c'est bien joué. Allez, un round partout, c'est la balle de match. Sortez vos plus beaux drapeaux bleus pour 7 et drapeaux rouges et je sais pas quoi pour Alex. Sortez les drapeaux que vous voulez avec écrit ZTech ou Scott Shelby. Allez, la chope Hyper Bomb qui est trouvée. C'est bien joué. Le elbow dans la garde. Hyper Bomb X encore une fois. Ce coup-ci, il a plus de barre. Il est tout nu. ZTech qui a une barre d'X et qui a bientôt sa barre de V-Trigger. Saut vertical. Allez, je vous rappelle que vous tapez point d'exclamation Enter Giveaway pour ceux qui arrivent. Et il y a un jeu à gagner. Et n'oubliez pas de suivre Xorado sur son Twitter pour en gagner d'autres. C'est tout bénef. Allez, les 1000 points dans la garde, mais c'est puni. Ah, ça va être la fin, ça va être la fin. Ah non, c'est pas fini. Non, allez, oui, bien joué. Ouh. Mon pauvre cœur. Allez, ZTech. Ah, il s'est pris l'IX tombe. Ah là 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 là. Eh bien c'est la fin. Je vais demander aux deux adversaires de revenir dans la room. Et merde, j'ai lancé un autre logiciel, je suis con. Alors... deux petites secondes. Ouais, je sais, ouais. Ah, c'est ouais, j'ai eu la coupure en plein milieu, c'est dommage, ça m'a coupé. Ouais, je suis désolé d'ailleurs, hein, que ça se coupe. Mais il y a eu un moment où au milieu, juste avant que je déco, ça laguait à peine un peu, et après, ça a été nickel, après c'était smooth.
Ouais, la fin du FT, c'était, il y avait pas de lag pour moi. C'était genre au tout début, enfin sur la première partie avant que j'ai le crash sur les rounds 4-5, ouais, il y a eu un peu de lag. D'accord. Désolé, j'avais coupé le micro sur le stream à l'instant là. Oh, t'inquiète, pas de soucis. Bon, bah d'accord, bah écoute, bah bien joué, hein, ça c'est, t'as fait un beau FT, hein, c'était disputé jusqu'au bout, hein, 9 matchs à 10. Ouais, je voulais pas lui lâcher, mais j'ai eu tellement de dash in, oh là là. Ah oui, bah ça, c'est la spécialité d'Alex, le dash avant Hyper Bomb. J'en ai puni plein quand même, mais pas assez. Hein. Sur la fin aussi, tu te prenais moins les BAMK V-Trigger, tu sais, quand il fait BAMK ouais, et ensuite V-Trigger ouais. Pour la chop. Tu t'as baissé, tu faisais low profil. J'en ai pris quelques-uns. Ouais. Oui, t'en as quand même pris pas mal. Mais vers la fin, t'en prenais un peu moins. Alors voilà, ok. Bah, je vais te laisser, je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci, c'était cool. Bah, ouais, c'était cool. Merci à tout le monde et merci à Skull Shelby, hein, GG. Voilà. Allez, bonne soirée. Bisous. Bisous, bisous. Alors. Skull Shelby, tu peux venir sur le Discord? Et merci pour le follow La Vie Dure TV. Merci beaucoup. Merci du soutien. Vous avez été nombreux à regarder le stream, c'est cool. On a avoisiné les 20. C'est plutôt pas mal pour un soir où il y avait le SSC en même temps. C'est plutôt sympa. Est-ce que Scott Shelby, tu peux. Bellassan, tu peux me rejoindre sur le Discord? Merci. Et après, on va passer au résultat du giveaway. Je sais que vous attendez ça aussi. Qui va gagner son jeu? La question est posée. Voilà, Oxdorado vous met le lien de son Twitter si vous voulez le follow. Il organise souvent des concours. Il y a 5 jeux à gagner. Vous choisissez un des 5 jeux. Et en général, il vous met bien. Sur son concours. Donc n'hésitez pas à le follow, hein. C'est gratuit et ça vous fait gagner un jeu. Yes. Si vous tombez bien. Salut, bah je t'appelle Scott Shelby, c'est mieux. Ah ouais, vas-y. Ça roule, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va. Bah encore désolé hein, pour le petit souci qu'il y a eu tout à l'heure. Non bah pas de soucis, ça c'est pas un problème. Comment t'as senti ce FT? Parce que au début bah, ça a été disputé tout le long. Ça a été disputé tout le long, il n'y a personne qui a lâché l'affaire, j'ai vu. Et ouais. C'était plutôt intéressant. Comment t'as ressenti ce FT, toi? C'est très dur. Très dur, le match-up 7. Match-up 7, c'était. Non, je pense pas que c'est un problème de match-up. Zetek était assez solide, notamment sur ses entières. J'avais vraiment pas le droit de lui sauter dessus. Mais vraiment, j'avais pas le droit. Et que les stomps ou les coups de tête, où il n'y avait pas trop de réponses. Mais sur les sauts, j'essayais de le carotte avec la dive, ça marchait absolument pas. J'ai ouais. Perdu pas mal de runes du coup, juste à cause de sauts tout bête aussi. Voilà. Ouais, ok. Ce qui m'a bien aidé aussi, c'est que il savait pas punir les elbows. Notamment, il y a des elbows, je suis à moins 6, ça m'a bien aidé. Parce que des fois, je pense qu'il aurait gagné. Des fois, tu faisais des elbows en garde, mais des elbows normaux, pas des ex. Et ceux-là, ils sont punissables? Bah ça dépend, parce qu'il y a le petit spacing et puis t'as le, il y a le moyen. Le moyen, c'est surtout au niveau de question de space, ouais. D'accord. Mais si je le space mal, je suis à moins 6, voire à moins 7. Ouais, moins 6, ouais, faut connaître, quoi. Et merci à lui, hein. Il n'a puni aucun. Donc, ouais, voilà. t'as eu la chance qu'il en punisse aucun, c'est dommage. Et ouais. Bah d'accord, bah écoute, je te remercie pour ce FT, merci d'avoir accepté d'affronter mon joueur Zetek pour ce FT FFC11, et puis je vais te souhaiter une bonne soirée, et bah merci. Du coup, t'as gagné un petit jeu offert par Oxdorado, notre partenaire. Yes, ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est toujours ça de prix, et tu as des fans hein, sur le stream, c'est cool, je vois ça. Ah, je suis un bon à la vraie voix de Scott Shelby, ils kiffent tous. Ah, moi, dites à mes fans que je les kiffe aussi. Ah, mais ils t'entendent, t'inquiète, ils t'entendent.
Bon, bah, je te remercie. Je vais t'envoyer la clé du jeu dans 5 minutes, le temps de clore le giveaway. Yes, ça marche. Et je Merci. te souhaite une bonne soirée et merci encore. Merci à toi aussi. Salut! Bon, les amis, l'heure, le grand moment est arrivé. Alors, on va quitter la room. Alors, je suis en train de mourir en poule avec Marino là. On va faire un petit café après. Là, 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 là. J'ai. Alors, je vais vous montrer les participants du giveaway. Sèche mes larmes comme paille. Ouais, je sais, ouais. Dommage, c'est dommage. Bon, bah là, vous voyez les joueurs qui veulent entrer, qui sont entrés dans le giveaway. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, c'est le moment de faire point d'exclamation Enter Giveaway parce que là, je vais clore dans 1 minute. Là, j'arrête. À 22h10, j'arrête. Et merci en tout cas d'avoir suivi le stream, c'était sympa. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu, que les commentaires étaient corrects. J'essaie de commenter du mieux que je peux, hein. Il y a plein de trucs que je connais pas encore au niveau des normaux de chaque personnage, quoi, mais. Et merci pour le follow, Tinky Winky. Merci. 13 viewers, 10 participants, bon ratio, ouais, je suis d'accord, ouais. Bon, il est 10, stop giveaway. Allez, c'est Vidra qui a remporté un jeu. Je vais le MP. GG Vidra. GG à tous, hein. Désolé, hein, c'est pas vous qui avez été tiré au sort, mais ça sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à revenir sur le stream. On fait régulièrement des giveaways pour les défis, les events qu'on organise, que j'organise. Et je vous invite à suivre la chaîne YouTube. Si c'est pas déjà fait, ça me soutient. Parce que j'ai pas encore beaucoup de followers et j'organise beaucoup 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 de trucs. Et j'aimerais vraiment que la commu le voit et partagez, n'hésitez pas. T'as perdu le tournoi du SSC Vidra ce soir? Trois wins, deux lose. Bah c'est pas grave, t'as fait de ton mieux. Bien joué quand même, bien joué. Je suis fier de mes FFC, vous vous battez bien, vous faites vraiment du mieux que vous pouvez. Et vous êtes super fort et vous donnez du mal à beaucoup de gens. Là ce soir, Scott Shelby a quand même eu pas mal de mal contre ZTech. Ça s'est joué à vraiment très peu. On va les avoir à l'usure, t'inquiète, on les aura. Vous êtes loin de pas les avoir, t'inquiète. Non, moi je vais couper le stream là, comme ça la VOD est propre. Et je streamerai peut-être tout à l'heure, mais je suis vraiment pas sûr quoi. Allez, salut, bonne soirée à tous. Vidra, je vais t'envoyer la clé. Scott Shelby, je vais t'envoyer ta clé. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi le stream. N'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube pour retrouver les VOD. Il y a 10 FTFFC encore avant à regarder si vous voulez. Et il y a des tournois, il y a des versus team. Je vous dis salut, bonne soirée, merci à vous. Merci du soutien et au prochain FT, au prochain défi. Salut, salut!